suis toujours fasciné par l'aspect un peu cruel de la vie, de la nature. Enfin, et là aussi, je vois certains rapports entre l'orgue, instrument naturel, puisqu'au fond, c'est un instrument qui est fait de toutes sortes de flûtes, n'est-ce pas, à l'intérieur desquelles l'air vibre. Il y a quelque chose de vivant. J'ai toujours rêvé, par exemple, de voir un orgue dans une forêt, de jouer un orgue vraiment dans la nature, et là, mélangé avec les arbres, avec les choses. Il y a d'ailleurs dans l'architecture d'un orgue cette verticalité qui est tout à fait sylvestre. On est victime un peu de notre civilisation qui a fait de l'orgue un instrument sacré, en quelque sorte. Alors que, à ses débuts, il n'était pas du tout un instrument sacré. Vous savez aussi bien que moi, c'était servait d'accompagnement au combat de gladiateurs, n'est-ce pas, chez les Romains. Et il était souvent dans des maisons mal famées. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il a mis longtemps aussi à être accepté dans l'Église. Ça, c'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu de fond, c'est-à-dire, c'est le principe de la flûte, n'est-ce pas? Alors, il y a l'air qui arrive par là, n'est-ce pas, si je souffle dedans. L'air se brise là et vibre dans toute la hauteur du tuyau. Ils sont accordés directement, ceux-là? Oui, là c'est accordé définitivement, parce que c'est taillé, ce qu'on appelle taillé au ton, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est en étain, enfin, c'est un alliage d'étain à 60 ou 70%, n'est-ce pas, de plomb. Alors vous avez les mêmes tuyaux qui font 10 mètres de haut. On a des jeux qui donnent la note réelle, n'est-ce pas, ici, et des jeux qui donnent l'octave supérieure, et encore l'octave supérieure. Et ceux qui font la quinte. Et encore l'octave supérieure. Alors, comme ça, on arrive à des hauteurs de son extrêmement aiguës, n'est-ce pas. Et alors, tout mélangé, naturellement, ça donne un timbre très très riche. Le pédalier. Oui, alors d'autre part, le pédalier a ses jeux propres, n'est-ce pas? En général, des jeux graves d'ailleurs. On peut coupler avec les claviers? Alors, justement, on a des pédales d'accouplement, justement, entre le deuxième clavier sur le pédalier, le premier clavier sur le pédalier, comme ça on a tous les timbres en même temps sur le pédalier. Et si on tire tous les jeux, on peut jouer simplement avec le pédalier et tout marche? Oui, bien sûr. Oui, on peut avoir, d'ailleurs, on peut essayer. Alors, faisons. Sur le do, tu mets le talon du pied gauche et le mi bémol, le pointe. Voilà. Ah bon. Voilà, très bien. Et pour le chromatisme, je peux? Eh bien, tu mets pointe, talon, voilà, talon, et tu changes de pied. Oui. Ah.
pénétration, c'est donc le mélange de ces différents timbres. Si je mets ici ces timbres-là, ils sont très puissants, n'est-ce pas ? Et d'autres, au contraire, très doux, ou, alors, au contraire des timbres de solo, plutôt flûté. Enfin, c'est à l'infini, naturellement. C'est une présélection que vous faites, et ensuite vous n'avez plus qu'à déclencher. Oui, c'est ça. J'enregistre, en somme, les différents instruments dont j'ai besoin. Je les prépare, et avec, au moyen de ce petit bouton ici, je peux enregistrer, préparer 10, ici, sur cet instrument, enfin, 10 combinaisons différentes. Alors après, il ne reste plus qu'à appuyer sur les boutons correspondants pour appeler tous ces jeux, n'est-ce pas ? Qui viennent tous ces jeux, ce qui évite donc d'avoir à enlever les mains des claviers ou les pieds du pédalier.